c'est Innovant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Mario Kart. Désolé si ma voix n'est pas claire, c'est que je suis un peu malade en ce moment. Donc dans cette vidéo, je voulais j'ai débloqué plein de courses, du coup j'ai 45 gemmes, du coup je peux les utiliser pour débloquer des nouveaux véhicules ou des nouveaux personnages. Donc c'est parti, on fait ça tout de suite. Hop, je peux en ouvrir 10 en même temps et après je ferai une petite course. Ok, c'est parti. D'accord. Pour l'instant, il est au niveau 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on débloque? Ok. Ah, je débloque plein de personnages. Donc, Bébé Mario, Fleur Boa, Virevolt autour de votre carte. Vos adversaires ont intérêt à se tenir à distance. Ah, trop stylé, c'est pour ma petite Peach. Carrosse Royale. En plus, c'est celui que j'utilise le plus souvent comme personnage. Parce que c'est le personnage qu'on a eu au début. Encore un nouveau personnage. Donc là, on tourne au moins 3 personnages hein, en plus. Toad, triple champi turbo. Oh, 3 champi turbo à utiliser d'un coup pour profiter d'une longue accélération. Encore un nouveau véhicule, trop cool. Plaque d'accélération prolonge l'effet de la plaque d'accélération pour plus de points d'action. Mycicars, double bob-bombe. Deux bob-bombes pouvant être envoyées à la fois pour noyer l'adversaire sous un feu nourri. Et ça me le met au niveau toujours 1. Ok. Ah yes! Donkey Kong! Banane géante. Cet énorme fruit laisse derrière lui 3 nouvelles bananes. Quand un adversaire le percute. Trop bien! Un nouveau parachute. Bloops plus. Les bloops sont plus fréquents et rapportent plus de points. D'accord. Ok, voilà, donc j'ai débloqué tout ça. Donc j'ai débloqué en tout 1, 2, 3, 4, 5 personnages, je crois. Et j'ai débloqué 2 nouveaux véhicules pour ma Peach. C'est parfait. Alors. Ok, donc là, toujours ok. Et les pièces, je sais pas quoi servent. Je sais pas du tout. Ouais, si vous voulez m'ajouter en ami, attendez. D'accord. Donc, si vous voulez m'ajouter en ami, bah voilà mon identifiant. Donc, c'est 06, 0674, 10, 1074 et 78052. Voilà. D'accord. Ok. Donc là, il y a un truc nouveau au niveau de la boutique. Vous pouvez obtenir des pilotes, des cartes et des ailes dans la boutique. La sélection du jour change au quotidien, mais je parie que vous l'aviez déjà deviné. D'accord. Ah, c'est cool. Donc là, j'ai beaucoup de pièces. Ah ouais, mais j'ai pas. Ok. J'aimerais bien prendre ce petit véhicule, ce serait marrant. Ok.
Ah, pour l'instant, j'ai pas assez. Ce sera à voir. Et c'est tout, ok. Donc ici, normalement, voilà, j'ai tous les personnages. Donc il me reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Sachant que ça, c'est des cartes comment? Moi, je dirais des cartes légendaires et ça, des cartes épiques en dessous, là. Mais j'ai quand même des cartes assez. Ah, c'est des cartes en or aussi. Donc, non, en fait, les cartes en or, ce serait plus des épiques. Et en dessous, en bas, ce serait des cartes légendaires. D'accord. J'en ai beaucoup en doré. Donc, c'est parti. Hop, je fais une course avec vous et après je mets fin à la vidéo. Donc, ok, 450, ouais. Ah, du coup, j'ai plein de personnages là. On va prendre toujours la petite Peach. 220. Donc, ça 200, d'accord. Donc, on va prendre le carrosse, apparemment, c'est mieux. Attendez. Ah non, c'est mon véhicule tout au-dessus qui est meilleur. Et mon planeur aussi qui est à 252. C'est parti. Donc je sais pas encore, j'ai pas eu de nouvelles informations pour quand arrive le multijoueur. De toute façon, je vous ferai une vidéo dès que ça arrivera. Apparemment, il y a beaucoup de critiques sur le jeu, d'après ce qu'on m'a dit. Après, il y a des potes qui trouvent que le jeu n'est pas si ouf que ça. Donc, c'est parti. Hop. Donc là, je vais pas trop parler parce que je vais être assez concentré. Ça va être chaud de rattraper le premier. Ah non, c'est bon, je l'ai rattrapé. Il s'est pris. Oh non! Je me suis pris le truc. Non, arrête. Ah, je me suis pris le tour. Non, mon gars, je termine 5e. Oh. Bah, ça lag un peu, je trouve, parce que je suis en train de faire la vidéo. Sinon d'habitude ça n'arrive pas énormément que ça. Ne vous inquiétez pas, je le rattraperai ça en hors vidéo. Ok. Du coup il va manquer une étoile. Les nouveaux défis sont ajoutés tous les jours, c'est un excellent moyen d'obtenir quelques grandes étoiles supplémentaires. D'accord. Un pack de bombes. Ok. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce petit... on peut appeler ça ouais, un petit coffre opening. Vous aura plu et que voilà. Même si j'ai terminé par une course foireuse. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ça, je vous dis à une prochaine fois les gars. Ciao.